commence bien. Les gars, cette vidéo elle commence avec de l'énergie et de la vache qui rit. Non, il y a pas de vache qui rit. De toute façon, vache qui rit à moitié dans son lit. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ça fait tellement longtemps, je voulais la faire. C'est une vidéo où en gros, on va dessiner. Et vous savez que moi, j'adore dessiner. Ça va faire peut-être un an que j'ai pas dessiné. Parce que avant, j'étais en école de dessin et tout, mais genre, ça va faire un an que j'ai pas dessiné. Et du coup, je me dis peut-être que j'ai perdu un peu la patte. Tu vois ce que je veux dire? La patte de l'artiste. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester mes capacités en dessin. On va faire un dessin en une minute, le minimum possible. Un dessin en 10 minutes et un dessin en une heure. Donc les gars, déjà, si ce petit concept vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à déchirer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi les gars à vous abonner, à activer la cloche pour rejoindre la communauté parce que là vous êtes de plus en plus les gars. Road to 2 millions. Enfin déjà road to 1 500 000 et après on ira à 2 millions. Ouais. Moi d'abord, je vais mettre en t-shirt parce qu'il fait chaud. C'est bon, c'est parti. Là, le premier dessin en une minute. Oh là là, ça va être dur. En plus, hey. Bonjour. J'ai ramené des crayons, les gars. J'ai ramené des crayons que j'avais de chez ma maman. Bon, j'ai l'air d'avoir 10 ans quand je parle, mais c'est parce que j'ai 10 ans d'âge mental. Mais respectez-moi quand même un peu. Un peu. Non, mec, elle est où ma gomme? Normalement, j'ai une gomme pour gommer tous les péchés que j'ai fait. Elle est où ma gomme? Alors, j'ai trouvé un emballage de sneakers. Je cherche dans la poche de mon manteau. J'ai trouvé un bonnet. What the fuck? Eh, vous êtes trop, je suis un magicien et je sors des trucs. Là, j'ai sorti un lapin de ma poche. J'ai trouvé un masque. C'est cool, les gars. Genre, les gars. J'y vais sans gomme, bon bah voilà, let's go. Vous savez quoi, on prend un crayon gras. Genre un crayon, tu sais qu'il a bien mangé, tu vois. Un bon crayon gras. Ça veut dire, faut que je mette un chronomètre. Et je vais avoir une minute. Les gars, c'est bon, j'ai mis le chronomètre. Eh, je suis tellement impatient. En vrai, j'ai trop peur, je vais être claqué au sol. Bon allez, c'est parti les gars, je mets cagoule sans trop parler hein. Et vous savez quoi, on va racheter de la couleur parce qu'on est des malades mentaux. Trois couleurs, violet, vert, ice. Bon, c'est pas vraiment ça les couleurs, mais je suis le premier dessinateur daltonien. Je ne connais pas les couleurs. 3, 2, 1, go. Je vous ai même pas dit ce que je dessinais, les gars. En vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné. C'est-à-dire que quand je dessine, là, je ne sais absolument pas ce que je fais. Hein. Putain, mais le dessin, les gars, il va être schlag. Mais au moins, vous l'avez reconnu. Mais je vous promets, c'est pas moi l'imposteur. Là, j'essaie de vous faire un bon tracé. Putain, le bordel. Et on met la couleur. Il nous reste 20 secondes pour la couleur, les gars. Et ah oui, vous êtes aussi à fond que moi. Hein. Oh putain, c'est schlagos, hein. D'habitude, je vous jure, je suis meilleur. D'habitude, je suis meilleur. Mais c'est le défi aussi, il faut y aller en une minute. Dessin en une minute. On est proche. On est proche. Ah, ah. Attends, genre, je peux mettre un peu de couleur là. Ah putain, une minute, les gars, on l'a fait. Alors, je vous avoue, c'est un petit dessin, mais c'est des grandes responsabilités. En vrai, ça va, il a un peu de flow quand même. Hein. Bon, c'est un petit personnage d'Among Us. Donc, lui, les gars, on l'a fait en une minute. Je vous avoue que c'était difficile, hein, par contre. En 10 minutes, ça va être vraiment, vraiment short. Hein. On va tenter, mais ça va être très, très dur. Mais notez mon premier dessin dans les commentaires. Si vous mettez des bonnes notes, je vais être comme ça. Et sinon, comme ça. Prochain dessin, je vais faire un personnage d'animé. Genre lui, un personnage type, un truc simple. Là, si je dessine 100 modèles, en plus qu'avec le chrono, les gars, je tiendrai jamais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner lui et je vais mettre le petit chronomètre et ça va être carré dans l'axe. C'est parti, les gars, pas la pression, tous mes chakras sont alignés. J'en ai marre de rigoler à mes bêtises. Le crayon est sorti. Dessin en 10 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Hein. Alors attendez, moi je compte pas les premières secondes, hein. Vous me donnerez un bonus. Déjà, on va commencer par l'épaule, absolument personne ne fait ça, mais moi oui. Vous inquiétez pas les gars, je suis expert, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais c'est... ouais. Le gars il a pas d'argument, mais moi je stresse, hein. Là le fait que genre je sois timé me stresse énormément. Parce que normalement d'habitude t'as un peu le temps et tout dessiner, c'est un truc genre c'est chill tu vois. Là y a pas de chill mec. Ça veut dire faut vraiment que j'aille direct. Putain, mais aussi, mais il a une tête, on dirait un triangle, frère. Putain, jamais je dessine comme ça d'habitude. Hein. Oh putain, c'est pitoyable ce que je fais. Faut pas qu'en fait je parle dans des dessins bien trop ambitieux en fait. Hein. Ça, mon problème, je suis un mec ambitieux. Ça, on dirait les qualités que tu dis à ton entretien d'embauche. Mes défauts, ambitieux, perfectionniste. Personne n'est comme ça. On est tous des putains de mythos. Là, on y va vraiment à la zob. Hein. Je vous mens pas. Je vous mens pas juste parce que vous êtes mes gazos, mais sinon, je vous aurais menti. Putain, je stresse. Quand je dessine sous pression, je dessine tellement moins bien que quand je suis pas sous pression. Genre vraiment. Je vais aller un peu moins dans les détails de ses yeux parce que t'as de beaux yeux, chérie. En vrai, sinon, j'aurais jamais le temps de finir, hein, les gars. Je vous mens pas, j'aurais jamais le temps de finir. Parce que moi, je suis un putain de malade, hein. Parce que là, je vous parle et je fais le dessin en même temps. Vous savez quoi? On va lui faire un masque. Hein, parce que c'est important de sortir avec le masque, hein, c'est important. On va lui faire un masque. Et on va lui faire un masque avec genre des épines et tout en mode genre taré et stylé. On est trop un personnage genre méchant. Attends, il reste combien de temps? Genre, je vais juste regarder le temps, mais du coup, là, le temps que je dessine pas... Oh, 3 minutes! Mais en fait, je suis super large. Ok, les gars, ça va. Vous savez quoi? On peut même y aller au stylo. C'est un stylo Instagram Creator. Parce que j'ai un compte Instagram, les amis, si vous ne m'avez jamais suivi sur Instagram. Bon, je me laisserai une minute de plus pour les changements de crayon et tout. Oh ouais, il est bon.
Ah ouais, en vrai, dessiner au stylo, c'est un délire, hein. C'est genre ultra méga précis et tout, c'est stylé. Bon, là, j'ai plus besoin du modèle, on peut y aller à la zob un peu. Le problème du stylo, c'est qu'il faut appuyer super fort, et du coup, bah, genre, tu fais des traits pas très précis en vrai. Hein. J'essaie de lui faire un peu plus de détails que dans le dessin original, parce que bon, moi, je suis gentil, les gars. Hein. Je traite bien mes dessins. Moi, à la base, j'ai commencé l'art, c'est parce que j'adorais les seins, mais j'adore encore plus les dessins maintenant. Quand il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Putain, les yeux, c'est... Eh les gars, moi, c'est ma hantise, les yeux. Je sais jamais bien les dessiner, j'ai toujours peur de foirer. Mais est-ce que j'aurais pas foiré, d'ailleurs, là? Attendez, est-ce que je fais de la dé, là? Attendez. Là, je parle plus, je respire plus, les gars. Là, c'est entre moi et le dessin. Hein. Là, ça commence à être pas trop trop mal, hein. Je rajoute quelques petits détails. Toujours rajouter un peu de plis dans les vêtements, ça donne un peu de caractère, c'est faux. Là, je rajoute, tu sais, comme s'il avait un peu de matière sur son t-shirt, tu vois. Genre un truc un peu stylé. Un peu d'ombrage, hein. Ça fait pas de mal, les gars, un petit peu d'ombrage. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, mais on a pas de gomme. Ah, si, on en a une. Mais elle est un peu petite, hein. C'est la gomme de la dernière chance. Attends, mais c'est une gomme qui nique le dessin. Wesh. On n'a pas de vraie gomme. Là, il est pas mal, hein. En vrai, même là, comme ça, moi, je dis, il a du flow. Et attendez, il me reste combien de temps pour dessiner? Je pense que là, je dois être à 10 minutes, en vrai. Hein. 7 minutes. Putain, on a encore le temps de l'améliorer un peu, hein. Donc, vous savez quoi? Je vais y aller directement, genre cette fois-ci, avec le stylo. Genre d'habitude je ferais jamais ça, hein. D'habitude c'est toujours mieux d'avoir des petits croquis par-ci par-là. Mais là vas-y va les... Eh avouez je fais trop bien le cavalier dans Clash Royale quand il débarque. Je sais pas quoi faire parce que là il est déjà bien en fait. Là il est bien mais, genre je pourrais continuer à l'améliorer mais j'ai peur en fait de dénaturer le dessin de base moi si je continue. Elle nous lui fait genre tard il a des cicatrices et tout. Ça c'est l'avantage du dessin c'est qu'en vrai tu peux créer tout ce que tu veux en vrai. Oh mais je sais ce qu'on va faire. Eh les gars on a de l'encre. On peut lui faire vraiment des cicatrices en mode il est chaud et tout. Regardez venez on lui met des petits pics de couleur genre même dans les cheveux et tout comme si c'était battu. Mais c'est vraiment léger quoi, genre vraiment quelques cheveux. Hein. Je vais rajouter du rouge dans ses yeux. Là, je rajoute un peu des taches de sang un peu partout. C'est un peu ghetto, je vous mens pas, mais ça va. On rajoute encore un peu d'ombre. Et moi, j'ai trop hâte de voir du coup ce que je vais faire sur un dessin en plusieurs heures. Imaginez un jour, je fais un dessin en 24 heures. Vous imaginez le truc que je pourrais faire, que je pourrais sortir. Bon, en vrai, je sais pas trop comment continuer à l'améliorer. Mais vous savez quoi, je pense qu'on l'améliorera encore plus parce que là, en fait, je suis en avance. Regardez. Regardez, dans 5 secondes, j'ai le temps. En vrai, moi, je suis fier de mon dessin, je suis bien. Genre, pour un truc fait à la zob, c'est carré. En plus, ça fait longtemps, les gars, que j'avais pas dessiné, donc ça fait trop plaisir. Je suis chaud, on part sans plus tarder. Dessin, 1 heure. Alors là, je vous dis, je vais directement mettre le casque parce qu'il y aura pas son moment où je vais vouloir écouter de la musique en 1 heure, il y a le temps. Déjà, notez mon deuxième dessin. Donc ça, rappel, c'est le dessin 1. Rappelez-vous, 1 minute, 10 minutes, c'est vraiment que vous notiez les dessins. Si vous notez les dessins, c'est parfait. Le prochain dessin que je vais faire, en plus, je vous garantis, je sais ce que je vais faire. Il faut que je fasse un ange avec une AK-47. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Et en fait, c'est parce que, vous savez, quand j'étais au Bahamas, il y a un mec que j'ai rencontré là-bas qui est devenu super pote avec nous et tout. Il est tatoueur. Et il voudrait se tatouer un dessin que j'aurais fait et il m'a demandé ça. Donc en fait, le dessin qu'on va faire, il va se le faire tatouer. Donc après, je sais pas quand et s'il le fera vraiment, mais il a l'air d'éter. Là, pour le dessin, 1 heure, vous allez devoir me faire confiance. Il est actuellement 15h12. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, le truc, c'est que je vais beaucoup utiliser le modèle de dessin pour m'aider. Du coup, bah, j'aurai pas le temps d'aller tout le temps regarder l'heure et tout. Donc, en fait, vous allez devoir juste me faire confiance. Dites-vous, à 16h12, c'est plié, on est carré. On va combiner les dessins, faire des crossovers, des featuring, ça va être n'importe quoi. On commence maintenant. J'ai commencé le dessin, parce que là les gars ça fait genre... Bon là c'est le dessin pour le fameux mec là qui doit se le faire tatouer. Donc là je suis parti en fait sur un ange démon avec une AK, ça n'a aucun sens. Mais avouez là pour un prototype c'est pas mal. Là je vais continuer à améliorer, je vais faire le liner, c'est-à-dire faire les traits un peu plus propres et tout. Et les gars j'ai trop hâte de voir ça quand ça sera fini, on se retrouve direct après. Là l'objectif maintenant ça va être de vraiment travailler genre l'ombrage. Parce que c'est un dessin qui est un peu genre beau entre guillemets. Et du coup les gars l'ombrage c'est ultra méga important parce que ça permet vraiment de donner du volume à la chose, tu vois. Pour montrer qu'il y a la plus grosse phalange. C'est moi. À partir de maintenant, j'y vais, mais sans aide. Ça veut dire là, les gars, j'y vais comme en freestyle. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai amélioré. Du coup, c'est un peu plus mon style à moi, si vous avez vu le dessin original. Alors là, c'est vraiment un peu plus mon style à moi. Donc, je vais continuer à l'améliorer, les gars. Moi, je suis déjà très content de ce qu'on fait. Hein. Sachant qu'en vrai, ça fait même pas... Ça va faire quoi, 10 minutes? Genre, mon niveau de dessin, je me suis dit, putain, je l'ai pas tant perdu que ça. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je suis bon en dessin si je mets ce bottle flip. Et si l'eau se renverse sur mes dessins, je pleure et je crie à côté là-bas. Si vous me cherchez, je suis là-bas. Mais c'est que si je rate. Voilà, carré. Buvez de l'eau, les gars, c'est important pour la peau et tout.
Et pour pas mourir aussi. Ok, bon là je vous mens pas. L'arme, c'est genre le truc le plus dur. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit parfaite. Genre, vu que c'est un truc qui existe vraiment et tout, je peux pas, genre, imaginer mettre mon grain de sel, c'est l'arme. Il faut qu'elle soit un peu prête comme la vraie. Je trouve qu'on est vraiment très proche d'un bon résultat. Et je ne pèse pas mes mots. Parce qu'ils pèsent trop lourd. Ça, c'est mes mots. Ils pèsent trop lourd. C'est pour ça que je les pèse pas. Mais là, du coup, je suis content. En vrai, je pense qu'il va être content. Dites-vous qu'il y a un mec dans le monde, Obama, qui va se tatouer ça. Tout va bien. Genre, je suis un youtubeur en France qui fait des dessins avec Zaka 47 pour un mec Obama qui fait du rap. Ça n'a absolument aucun sens, mais on est là. Hein. Là, le liner, il est à peu près bon. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au crayon et on va continuer à faire les ombrages. Je suis un maniaque de l'ombrage. Je vis dans l'ombre. Je suis le professeur des ombres. Même si en vrai, je suis ultra solaire. Je suis tellement solaire que juste là, quand je te parle, je te donne des coups de soleil tellement je suis solaire. Ma passion, c'est l'ombrage. Quand Miss Météo annonce des nuages, je souris tel un macaque. En vrai, c'est là, cette vidéo n'a plus aucun sens. Faut pas chercher. On peut pas dire que l'ange il est carré. Là les gars, je suis très très content. Enfin, en vrai, il y aurait 2-3 trucs à améliorer, mais l'ange en tout cas, putain, ça c'est le problème quand tu dessines, c'est que c'est jamais quand t'arrêtes. Mais moi, je trouve que là, il est déjà vraiment carré. Hein. Il a de la dex. En plus, regardez, on peut faire genre, il a déjà tiré en rajoutant un peu des flammes. Mais venez maintenant qu'on a fait celui-là, parce que voilà, il est gentil et tout. Voilà, le gars qui veut se faire tatouer. Mais nous, on est là quand même pour faire des trucs encore plus stylés, tu vois. On va faire un truc. Qui ici aime les mangas? Moi. Putain, je pensais pas autant. Par contre, comment vous êtes tous rentrés dans mon studio? Maintenant, les gars, par élimination, qui ici aime Naruto? Il y a un peu de monde. Il y a un peu moins de monde. Il y a quand même la team DBZ et la team Naruto. Mais la team Naruto, les gars, on est là. Donc on va faire un personnage de Naruto. Et qui de mieux que Kakashi-sensei? On va dessiner Kakashi. Je sais pas où on va le mettre en vrai. On peut le mettre un peu n'importe où. Donc let's go, les gars. Maintenant, ça part sur un petit Kakashi-sensei. Oui, tu vois, c'est méga important. Ceci est un attentat, arrêtez tout de suite. Arrêtez-vous, on est là pour venir prendre tout votre argent. Et oh, oh, oh. Bougez plus. Non, mais attendez. Ceci est un braquage. Attendez 2 secondes. Mettez les menottes, pas de questions, Attends. J'aurais parlé que la non mais elles sont solides. Voilà. Attends, je peux boire un verre. Remettez. Et excès de talent sur la voie publique, désolé. Vous avez été promu policier, voilà. Les gars, en fait, la vie c'est simple. On devrait pas les arrêter, les abonnés? Ouais. Bah, excès de beauté sur la voie publique, hein. Ah, oui, allez, les menottes, la main droite, la main gauche. Let's go, on continue là où on était. Putain, j'ai 3 chapeaux, les gars, c'est le sgain. En vrai, Kakashi, il avait tout compris. Il avait le masque avant tout le monde. Kakashi, le boss, bien évidemment, meilleur personnage. Non, en vrai, c'est Gaara le meilleur personnage, mais tout va bien. Dites-moi votre personnage préféré de Naruto. Vous savez quoi, votre personnage d'anime tout court préféré dans les commentaires? Si vous trouvez le plus badass, le plus charismatique, pour moi, c'est Gaara. En plus, Gaara et moi, on est un peu potes parce que moi, en signe astrologique chinois, je suis tigre des sables ou de terre, je sais plus. Et vu que lui, il est terre et sable et tout, bah, carré. Je suis comme mon Gaara. Let's go les gars, on continue de dessiner Kakashi et let's go. Parce que depuis tout à l'heure, je suce Gaara, mais en vrai, c'est Kakashi que je dessine. Donc let's go! Là les gars, on fait le bandeau, un moment que vous adorez. Les gars, c'est aussi important de faire des traits au crayon, juste pour montrer à peu près où tu vas avec le crayon. Ça aide beaucoup, hein. Là les gars, ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près terminé du coup les lines pour Kakashi. Ce qui en fait, les mangas et les animés, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas tout le temps trop de détails. Globalement, c'est pas genre aussi détaillé que certaines BD françaises. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vrai, la plupart des gens, quand ils commencent le dessin, ils aiment bien faire des persos d'animé et tout, parce que c'est stylé. C'est pas le plus dur, enfin ça dépend de l'animé, mais c'est quand même stylé, tu vois. Là, ça, en vrai, ça va. Les gars, n'hésitez pas à tester des fois, genre dessiner et tout. Que même si vous êtes éclaté au sol, vous pouvez que vous améliorer. Plus vous en faites, plus vous améliorez. Moi, je vais essayer d'améliorer un peu Kakashi pour le rendre encore plus stylé. Peut-être lui mettre un petit Sharingan ou un truc, t'as capté, pour le rendre encore plus gang. Ça va être hardcore, les gars. Oh là là, mais ça déchire, les gars! On va aller faire une ride en mode c'est un Kakashi fatigué là. 6 and a half hours later. Du coup les gars, alors j'ai eu une réunion, donc c'est pour ça que j'ai dû quitter la vidéo. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est 17h40. Il est littéralement 17h40. Donc maintenant, ce qui va devoir se passer, c'est que je dois terminer le dessin en speedrun pour que le défi soit validé, sinon c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, on a envoyé le dessin avec lui là, avec l'ange. On l'a envoyé au mec qui va se le faire tatouer. Est-ce qu'on a une réponse, Shumak? Toujours pas. On n'a toujours pas eu de réponse. Mais quand on aura une réponse, les gars, vous serez les premiers avertis. En vrai, je le dirai, je pense, sur Instagram ou sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, réalité-du-bas-exacté. Et maintenant, on reprend l'art. Enfin, c'est pas vraiment de l'art ce qu'on fait, c'est clairement du plagiat. Mais en plus, on lui a fait un Sharingan, donc maintenant, il est 2 fois plus stylé en vrai. Là, tu vois, c'est un gazo Benda Côte Gazo. Là, il est en Côte d'Azur, là. Ça se voit. Après, ce qu'on va devoir faire, c'est lui faire des ombrages aussi, hein. Parce que Kakashi, c'est un mec. Il est sombre dans son cœur. Il a un nuage au-dessus de ses sourcils.
J'ai fini. En vrai, je m'attendais à avoir un peu de temps, mais j'ai réalisé que une heure en dessin, c'est pas possible. Il m'a pris une minute à faire, c'est marqué juste là. C'est une preuve suffisante. Là, nous avons celui-là, il nous a pris 10 minutes. 35 minutes pour, les gars, pour l'ange, hein, parce qu'il est super long à faire. Et Kakashi, ça nous a pris environ, globalement, 15 minutes. Mais je pense plus 10, hein. Kakashi, il était pas si long à faire, hein. C'est le Sharingan qui nous a pris du temps au final. Ce dessin, si vous l'aimez bien, je vais le continuer et je vais vous le faire gagner sur Instagram. Sur Instagram, comme ça, à quelqu'un dans la commu, je vous l'envoie. Rayton YT. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos et rejoindre la communauté. Rejoignez la communauté de Raytonia. Nous serons une puissance. Et...